Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sous Jésus Christus, alléluia. Poste du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Marchons vers Noël en nous préparant comme s'il doit, en nous reconnaissant faibles et pécheurs et en demandant la grâce au Seigneur de nous y aider. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puisse nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prions le Seigneur. Déploie, Seigneur, ta puissance. Soutiens-nous de ta force. Afin que le salut retardé par nos fautes soit hâté par l'indulgence de ta grâce. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes. Elle entrera. La nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur, à jamais sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs. Il a humilié la cité inaccessible,
l'a humilié jusqu'à terre et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Béni soit au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient. Béni soit. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Béni soit au nom. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur qu'ils entrent les justes. Béni soit au nom. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni sois au nom. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Béni soit au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient. Alléluia. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Alléluia! 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 7, les versets 21 et les versets 24 à 27. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents soufflés et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, la maison s'est écroulée et son écoulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec la première lecture, le prophète Isaïe chante le chant d'espérance. Car si nous restons fidèles à Dieu, nous avons bâti sur le véritable roc, le roc éternel. La victoire nous appartient. Nous allons pouvoir entrer en relation d'intimité avec ce Dieu qui nous aime tant et qui vient nous visiter. C'est pourquoi le Seigneur nous invite dans l'Évangile à ne pas rester dans l'illusion parce que je fléchis genoux, parce que je crie vers Dieu, parce que je prie, Seigneur, Seigneur. Mais ça ne suffit pas. Si j'ai choisi le Christ comme modèle de vie, si j'ai mis mes pas dans ses pas, alors, oui, la victoire me sera accordée. Mais si je reste là à dire Seigneur, Seigneur, sans que sa parole atteigne mon être, m'aide à la conversion véritable, je reconstruis sur du sable. La parole de Dieu est nécessaire et cette nourriture dont nous avons besoin pour nous laisser éclairer, pour nous laisser provoquer, pour que nous puissions marcher à la suite du Christ, petitement, mais sûrement. Si nous agissons ainsi, nous pourrons dire avec Saint Paul, comme le dit le plus souvent les magistes, ma vie à moi, c'est le Christ. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Laissons-nous gagner par la parole de Dieu. Laissons-nous transformer par cette parole de Dieu afin de nous préparer à l'accueil de celui qui vient bientôt. Dieu, en son Fils, deviendra pour nous Emmanuel, Dieu avec nous. Accueillons-nous, accueillons-le dès maintenant en disposant notre cœur, en transformant notre cœur, en purifiant notre cœur pour que la joie de la rencontre soit une joie totale. Jésus vient bientôt. Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi. Dieu, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie et moi je n'étais rien. Toi, tu m'as donné la vie et moi je suis ton enfant. Toi, tu m'as donné la vie et moi je suis ton enfant. Rassemblés autour de toi, nous te portons
joie des fils de Dieu. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Toi, Seigneur, tu es l'amour, et moi j'étais perdu. Toi, tu es toute tendresse, et moi je cherche ta main. Toi, tu es toute tendresse, et moi je cherche ta main. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Ô Seigneur, tu es la vie, et moi je n'étais rien. Toi, tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Toi, tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Puis en ce moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Seigneur, hosanna, au plus haut des cieux, hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans tes librements de sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant,
prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons, qu'en ayant part au corps au sein du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église est répandue à travers le monde. Fais-la grandir ta chair et le pape François, notre vécrement, et tous ceux qu'on a charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont dormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux et celles pour qui cette messe a été demandée. Les défunts de la paroisse, les défunts de nos familles respectives et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, et reçois-les ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, nous implorons ta bonté, Seigneur, Seigneur, pour aussi tous ceux et celles qui fêteront aujourd'hui l'anniversaire. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint François, Saint Claire, Saint Étienne, et les Saint de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous avons pas la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme le Christ nous l'a enseigné, ensemble, osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Accorde la paix, Seigneur, à nos communautés. Accorde la paix dans le cœur des uns et des autres, dans les foyers. Accorde la paix, Seigneur, dans nos pays en difficulté. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-le toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. D'un cœur joyeux, allons prendre part au festin que Dieu nous prépare. D'un cœur joyeux, allons prendre part au festin que Dieu nous prépare. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang et vivra de Dieu. Car le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang et vivra de Dieu. Car le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas. D'un cœur joyeux, allons prendre part au festin que Dieu nous prépare. D'un cœur joyeux, allons prendre part au festin que Dieu nous prépare. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang et vivra de Dieu. Quand le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang et vivra de Dieu. Car le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas. D'un cœur joyeux, allons prendre part au festin que Dieu nous prépare. D'un cœur joyeux, allons prendre part au festin que Dieu nous prépare. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang et vivra de Dieu. Car le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas. Heureux celui qui mange de son corps et boit son sang et vivra de Dieu. Car le Seigneur nous invite à partager sa vie dès ici-bas.
Concluons notre prière. Fais fructifier en nous, Seigneur, le caressé qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Anniversaire de naissance, Conan Sandrine, Conan Viviane, Jenny Grasse. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci Seigneur, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci, merci Seigneur, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Dans le cadre des 60 ans de l'église Saint-Étienne de Kumasi, nous avons programmé des temps de formation, temps de l'Avent, temps de Pâques, comme d'habitude. Et nous attendons cette formation ce mercredi prochain, 8, avec le père Éric Norbert, qui viendra, dans le cadre de l'Immaculée Conception, passer un temps avec nous. Alors soyons là pour venez écouter la parole de Dieu que notre frère nous donnera. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez, dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Pardonner, absoudre si grand coupable. Je viens à toi.
bénissez le Seigneur. Sous-titrage.